Yup, salut tout le monde, c'est MLG et on se retrouve pour le 26ème épisode de Paper Mario The Origami King. La dernière fois, on avait récupéré le pouvoir Oh, j'ai oublié le nom. Bref, on avait récupéré le pouvoir pour pouvoir... Le pouvoir du feu. On va y arriver à parler. Le pouvoir du feu et du coup, il va falloir qu'on l'utilise vers une tour de Toad. Avant, il me semble que Toad voulait qu'on retourne... Non mais, hey. C'était pas ça, c'était ça vers le bas. Ouais, c'était la touche vers le bas. Nous y voilà, les petites piécettes. Il me semble qu'il voulait qu'on retourne. Ah non, on avait fait la danse. Ah, je sais déjà plus ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait la danse, on avait débloqué sûrement des statues de Toad. Je crois que cette statue de Toad, on l'a déjà fait. Ouais, il me semble que celle-ci, on l'a déjà faite. Donc on va aller voir l'autre, parce qu'il y en a une où il faut allumer du feu dedans. Enfin, il faut allumer le feu. Donc on va faire ça. Et ça doit être à gauche. Ah. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une tour de Toad au loin là-bas. Mais il y a tellement de zones qu'on peut... Bon, on va récupérer toutes les pièces. Hein. Hop. On va récupérer toutes les pièces. Allez, creuse. Nice. Vu qu'il nous en faut beaucoup des pièces. Hein. Et hop. Voilà, on descend là. On te demande de creuser là. Et tu nous vas sortir des pièces. Voilà, pas grand chose comme piécette, mais bon, c'est toujours ça. Récupère ça. Allez hop. Et on y retourne. Oh, il y en a encore là. Eh ben. Nice. Ok. Voilà, ici. C'est pas allumé ici, donc on va s'en occuper. Il me semble qu'on avait déjà récupéré la gemme de cette tour, mais qu'on n'avait pas allumé. C'est ça. C'est ça. On va poser la gemme. Très bien. Incroyable. Et on va activer le feu. Waouh, il tourne. C'est sûrement le cercle de pouvoir de l'esprit du feu. Voilà, c'est l'esprit. Let's go. Oh, j'ai passé. Oh, j'ai passé l'animation. Je suis tellement méchant. Boum. Le feu est là. Mais vous brûliez, Olivia. Ça alors, on ne m'a jamais appris ça à l'université. J'ai toujours... j'ai pourtant pris l'option pyromancie. Mais il a pris toutes les options, lui. On peut dire que j'ai illuminé votre vie, pas vrai? Oh là là, c'est beau. Sapristi, j'ai complètement brûlé cette drôle d'eau noire dégoûtante. Et l'endroit s'est illuminé. Il n'y a pas à dire, une bonne lumière, ça fait quand même toute la différence, tu ne trouves pas? Absolument. Puisqu'on va récupérer la lumière là-dessus. Et la statue de Toad va bouger. D'ailleurs, je vais en profiter pour débrancher la manette. Parce que j'avais plus de batterie tout à l'heure. Maintenant, j'en ai de la batterie. Ouh. Mmh. Ah. Tu as vu? J'étais prête cette fois. Je ne suis même pas tombée par terre. T'es trop forte. Bon, et ben, il va nous rester, techniquement, si on a bien compris, deux autres statues à activer. Sauf que je crois pas avoir accès aux autres statues. Oh, celui-là aussi s'est tourné. Donc c'est là que ça va être rigolo parce qu'il va falloir qu'on cherche... Parce que... On a une autre... Oh tiens, on récupère ça. Parce qu'on a une autre statue un peu plus haute. Je sais pas comment y accéder à celle-ci. La statue qui est là-bas, là. Décidément. Il y a plein de trésors par ici. Encore un effort. Oh là là, j'ai bien fait de pas la louper, celle-ci. Ouf. Ça en fait de la piécette. Ça en... Oh mais il y en a partout. Ça indécent. Oh là. Allez. Oh. Voilà. 15 000. Propre. Partons là-bas. Alors du coup... Tiens, il y a un autre truc à activer. On va aller voir ce qui a marqué maintenant là-bas. Je sais pas si on peut faire quelque chose avec, mais... On va monter. Ok. Alors si on s'approche de ça...
Lorsque le sable s'assemblit, nanana. Ouais. On avait déjà lu ça. Donc il y a la statue de Thoth derrière, mais on n'y a pas accès. Peut-être qu'on peut y avoir accès par là-bas. C'est un mur. Je pense qu'on peut y avoir accès par là-bas. Il doit y avoir une zone où on pourrait passer. On va regarder. Ok. Alors, on va ranger ça. On va se faire un joli petit créneau. Merci. Alors, est-ce qu'à gauche, on peut y aller? Non, lui, ils vont toujours ces trucs. Par contre, il y a une zone là-bas. Ouais, il y a un truc qui est fermé. Bon, c'est pour une maison de Thoth, mais est-ce qu'on peut y accéder? Il doit y avoir moyen d'y accéder, mais alors comment? Parlez. J'adore observer le reflet de l'eau. Très bien, c'est cool. Peut-être quand il fera jour, on pourra. Je sais pas trop. Lui, il voulait me vendre des trucs. Est-ce que j'ai des sous? A bientôt, sans doute. Ouais, mais attends, j'ai pas le temps de réfléchir. Je veux. Oui. Nice. Garde plus argent. Oh. Merci. Et du coup, cœur plus argent. Yes. Ok. Et c'était notre dernier article en stock. Tout est épuisé pour l'instant. Reviens bientôt avec des pièces. Et n'oublie pas de t'équiper de tes accessoires dans le menu plus. Oui, oui, oui. Ah, il y a un Thoth caché. C'est pas possible, il doit y avoir un moyen de monter. Pas un bloc caché quelque part là? Bon, menu plus. Accessoires, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Nice. Alors, est-ce qu'on peut accéder plus loin? On va faire le tour par ici pour voir. Et peut-être essayer de retourner aussi dans sa baraque à lui là. Par ici. On peut pas faire le tour par là du coup. Hein. Monter par là par le plus grand des hasards? Non. Faut que je refasse encore le tour. Terrible. Tiens, récupère ta santé aussi parce que 80 PV sur 130. Bon, voilà, voilà quoi. C'est bon, on est good. On y retourne. On va retourner dans l'hôtel. Étant donné que ça fait une petite semaine que j'ai pas touché au jeu parce que je tourne les épisodes que le dimanche pour la semaine. Possible que j'ai loupé des infos. On va aller regarder. Retournons dans la grande salle là-haut. Ou alors directement chez lui dans sa loge là. Je sais pas s'il y a des choses à faire dans sa loge. Sa loge, ça devrait être là, je crois. C'est sa loge. Vous avez la clé de cette chambre, vous aussi? Je dois vous prévenir, je peux être bruyant quand j'étudie. Examinez. Alors, chronique de Champibourg, chapitre 3. Âge d'or de la dynastie Champi, partagé pour mieux régner. Très bien. Donc ça, c'était son journal, on l'avait déjà lu. Hein. Très bien. Excuse-moi, c'est mon journal. Vous attendrez comme tout le monde sa publication officielle pour l'acheter dans le commerce. Oh là là, oh là là. Ok, voyons voir. Là-dedans. Salut bonhomme, on veut juste lire ce qu'il y a écrit ici. Puisse-t-il sommeiller en paix? Ok. On va regarder les autres chambres de l'autre côté. Voir ce que les autres fresques nous disent. Est-ce qu'il y avait des portes fermées? C'est ouvert. L'eau noire est source de liquidité. Ok, on peut ouvrir ce coffre. Donc on n'avait pas accès à cette zone là avant. Hein. Très bien, donc on a récupéré ça, c'est bien. Ok, on va prendre l'autre chambre. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Le petit désert, berceau de vie. T'es pas beau toi. Bon.
Bah pour le coup je sais pas trop. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir les autres statues de Todd. Bon, ce que je vais faire, c'est que vu que je ne sais pas du tout où me rendre maintenant, je vais vous faire une ellipse. Et quand j'aurai trouvé où me rendre, eh bien, je reviens vers vous, tout simplement. Oh, je connaissais pas cette zone, dis donc. Nice. Oh, il y a un Todd là. Tiens. Ok. Bon, bah c'est au moins ça. On a sauvé un Todd. Mais bon, ça n'empêche que c'est pas vraiment ici que je voulais aller. Continue de chercher. Oh, je peux passer par là maintenant. On pouvait pas passer par là avant. Ah, ok, donc on va pouvoir avoir accès aux autres statues de Todd. Très bien. Finalement, c'était pas si compliqué que ça de se repérer. Fallait juste penser à leur parler. Hop là, confetti. Nice. Ok. C'était le bouton vers le... Non, c'était lequel bouton pour appeler... Ah, j'ai oublié. Tellement de boutons à cliquer. Non, pas toi, va-t'en. Ce bouton-là. Yes. Nick-nick. On va la voir. Nice. On peut péter les caisses. Oh joli. Oh joli. Ah alors là j'ai dit oui. Bon par contre c'était pas très malin hein. Parce que pour claquer ce bloc là maintenant j'ai l'air un peu bête. Bravo. On va sortir et revenir. Voir si les caisses repop. Si c'est pas le cas c'est ballot. On reviendra ici de toute façon pour le 100%. Oh. Bon bah c'est ballot. Oh toutes ces confettis. Oh. Oh. Creuse ici. Nice. Des bottes chatoyantes. Mais non mais casse tout. Ok. Encore un trésor en dessous. Pas mal ça. Ah. Statue de poké. Méga poké macho. Très bien. Ok, j'ai trouvé tous les mini trésors. On a la statue ici qu'on voyait au loin, donc ça c'est cool. Tiens le bout. Je suis un peu dégoûté pour le bloc. J'aurais pu le casser correctement, j'aurais pu faire un peu plus attention. Ma foi. Content de m'être débloqué rapidement, plus que la dernière fois qu'on avait joué, on avait un peu galéré pour se débloquer. Allez, tiens. Tiens. Yes, ah, tous les trous rebouchés. Confin ouest. Ok. Ok, par là-bas. Paf, paf, paf. Paf. Et là-bas, il y a un Todd. Tirez, monsieur, tirez. Pouf. Merci. Dis-moi, je suis bien toujours dans les confins ouest du désert, hein. Il paraît qu'il y a des ruines sympas dans le coin. La grande tour sont tellement envahies de touristes. Je préfère éviter les foules. Ok, et on a sauvé tous les Todd. Donc il n'y avait que dalle ici à faire. Hein. Par contre, on a des trésors à chercher. Tiens, creuse. Ok. Très bien, et enfin là. Nice. Oh, les grosses pièces de sang. Hein. Allez. On va fouiller... Pas les yeux du tout. Oh, encore un. C'est le plus grand d'entre tous, non? Peut-être. On va voir s'il y a des choses à faire dedans, du coup, parce qu'il manque les deux yeux. Il manque tout là-dedans. Absolument tout. Hein. Ok. Là où sur l'eau le soleil, tout entier se tapit, l'œil sous terre est endormi. Là où sur l'eau le soleil tout entier se tapit, l'œil... sous terre est endormi. Là où l'eau. Là où sur l'eau. Le soleil tout entier se tapit. Là où sur l'eau le soleil tout entier se tapit. Ça va être compliqué ça. On va activer ça au moins. Version courte, oui, je veux bien, ouais.
merci. Sympa ça par contre, le fait de pouvoir choisir la version courte. Top. Top, j'aime bien. Là où sur l'eau, le soleil se tapit. Je comprends pas trop, je sais pas si c'est par là qu'il faut le chercher. Aucune idée. Là, honnêtement, aucune idée. Peut-être qu'on pourra le trouver de l'autre côté. Alors, peut-être qu'il faut le chercher là où il y a de l'eau, dans la zone des Toads, là. Ici, là. Ah, ouais, oui, oh, ça va, ça va, ça va. Là où sur l'eau, le soleil se tapit. Ah, là. Ici. Big brain. Big brain. J'aime bien ça. C'est quand tu... quand tu sais pas et que tu... paf! T'as l'illumination de génie qui te dit que c'est ici qu'il faut le trouver. Incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah! Allez! Je vérifie quand même si ça enregistre bien parce que bon là... je suis plutôt fier de moi. Hein. Bon, c'était pas dur. Ok, c'était pas dur. Mais bon, quand même. Je suis content. Ouah, trésor. Creuse. On dépasse les 5000. Yes, on dépasse les 5000. Incroyable. Allez. Et du coup, là, on va pouvoir y mettre l'œil. Yes. Et attention, ma petite Olivia, il va falloir tenir debout. Incroyable. Il va nous en rester plus qu'un. Professeur, vous n'avez rien? Oh oui, ne vous en faites pas. Mes excuses, toutes ces marches m'ont ramolli le gibol. Les gibols ramollissent le professeur là. Il se fait vieux. Oh, regardez, il a encore tourné. Devine quoi, celui-là aussi s'est tourné. Ils vont tous faire ça en fait. Bah ouais. Ouais. Allez, direction de l'autre côté maintenant. Juste en face de là où on était. Oh. Et les trésors s'arrêtent pas de popper ici. Ok. Et là-bas aussi. Bon, il y a pas grand chose là-dedans. Mais ça se prend. Et hop là. J'avouerai que j'ai hâte aussi d'avoir une nouvelle musique de fond. Bonjour cher client, pour les confins est, veuillez prendre cette porte. Très bien, merci. Let's go pour le confin est. Nice. Et les scorpions. Oh. Ah, j'ai pas vu. Je m'en vais. Ok. Donc il faut qu'on repère les Toads. Les Toads, c'est les scorpions. Ok, on repère les Toads. Ok, les Toads sont là. Mais alors ? Et tu fais comment du coup pour... Ah, faut creuser. Je suis bête. Creuse. Voilà. Et creuse. Yes. Les autres, c'est les méchants, on s'en fiche. Bien joué. Correct. Évidemment correct. Évidemment. Ok.
Est-ce que je peux revenir du coup? Ouais, je peux revenir pour les éclater maintenant. Non, ils s'en vont. Ils s'en vont quand même. Bon. Bah, je vais pas les éclater alors. Oui, arrêtez de popper et me faire ralentir là-haut. Il y a un Todd ici. Mais non. Bon, bah, vas-y, avance ça. Voilà. Tirez, monsieur. Merci. Tiens, vu que t'es là, tu sais à quoi servent ces tours géantes, toi? Ma théorie, c'est que c'est juste un coup de pub de l'office de touriste pour inciter les gens à venir faire des selfies ici. Eh, c'est pas bête, ça. Mais je pense pas. Oh. Nice. Encore un trou, là. Nice. On a eu tous les trous de la zone. Tiens, tiens, tiens. Ok, on est full. Il y a rien d'autre à faire dans la zone? Non. Apparemment, j'ai pas sauvé tous les Todd, donc on va essayer de tout éclater. Et on verra. Oh. Je sais pas où il pourrait être l'autre Todd. Hein. Bah, si, il y en a un autre. Tiens! Allez, on va rentrer dedans. Pareil, il a pas ses yeux, lui. Ah ah! J'adore découvrir ces Todd géants. Alors, où est-ce qu'on va devoir trouver l'autre œil? Ça va être rigolo. Dans l'enceinte aux vagues, enfoui sous la flamme, je suis là, mon œil s'exclame. Dans l'enceinte aux vagues. L'enceinte aux vagues, me semble que c'est dans le... dans l'hôtel, hein. Ok, on verra ça. Allez, fais-moi la version courte. Dans l'enceinte aux vagues. Sous la flamme. Ça parle de flamme. Regardez ça. On y retourne. Ouais, petite musique sympa. Un peu mieux. Et mon créneau, merci. Quand même. L'enceinte aux vagues. Donc ouais, l'hôtel. Hein. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait être ailleurs. Sous la flamme. Je suis là. On va voir. Ouais, ça marche pas. Non. Fresque de l'hôtel, non, je veux pas en fait. C'était le détour. Voilà, c'est ça. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme. Je suis là, mon œil s'exclame. Dans l'enceinte aux vagues, enfouie sous la flamme. Enceinte aux flammes. Enfin, dans l'enceinte aux vagues. Enfouie sous la flamme. J'avoue, je sais pas. Tiens, il y a des inscriptions là. Lis-moi ça. Creusez ici pour avoir une surprise. Promis, vous ne le regretterez pas. Lol. Creuse là. Effectivement. Eh, quoi? Il y avait un trésor? J'aurais dû écouter mon pif et creuser même si je comprenais rien à ce qui était écrit. Ah, dommage pour toi. Là, c'est un marchand, on s'en fiche. J'arrive pas à repérer où c'est l'enceinte aux vagues.
Ah, de l'autre côté. Non. C'est pas là. Bon, il y avait d'autres inscriptions à lire sur le côté, là. Là-haut. Place royale de Champibourg. Oui, c'est vachement Champibourg, maintenant. Ok. Par ici, il n'y a rien. Sous la flamme. C'est compliqué, hein. Ça doit être à l'extérieur. Du coup, il va falloir qu'on cherche. Je sais pas exactement où aller chercher. Pour moi, ça doit être dans la zone, là. Je sais plus ce que c'était, ça. Oh, c'est juste des chambres d'hôtel, ok. Ok. Y a pas de vague ici, hein. Pas de vague là-bas. C'est pareil, je sais toujours pas comment aller de l'autre côté, hein. Ça, c'est quelque chose, par contre, hein. Je pensais qu'il allait y avoir une caisse cachée là, mais... non. Ma foi. Bah du coup, sortons. Sortons et cherchons. Il y a écrit quoi, là? Bienvenue à Champibourg. Ah oui. Bon, je vais chercher. Si je trouve quelque chose, je reviens vers vous. Ah, peut-être un truc à faire, là. Il y a des formes un peu partout sur, ces structures. Et je vois, il y a des vagues là-bas. Et du peu que je peux voir, j'ai l'impression qu'il y a une cheminée. Donc, dans l'enceinte des vagues, pour moi, c'est là-bas. Et il faut creuser là où il y a la cheminée. À mon avis, c'est ça. On va vérifier ça. Avant, je récupère les piécettes. On peut voir que je me suis fait plaisir, d'ailleurs, en faisant le tour du désert. Hein. Donc, ce serait là. C'était là. Alors par contre, pas Big Brain parce que j'ai mis du temps à le trouver celui-là. C'était pas du tout clair en fin de compte. Pour moi c'était pas clair. J'avais jamais fait gaffe à ces formes là. Et je suis déjà passé en plus par là tout à l'heure. Tiens, il y a peut-être un truc là-dessous là. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Ouh, ouais, la tête de la piécette là. Impeccable. Bon, maintenant on va pouvoir apporter ça à la dernière statue. Et ce que je vais faire avant de couper l'épisode, c'est que je vais partir de la zone du désert, loin, et revenir. D'ailleurs, tiens, je vais le faire maintenant, ça. Comme ça, on va pouvoir essayer de récupérer le bloc que j'ai foiré. Une fois que j'aurai récupéré le bloc, on sera bien. Donc pour ça, on a un tuyau avec le numéro 3 inscrit dessus, là-bas. On va le prendre. Ça va nous faire revenir à Toddville. Et ensuite, on va le reprendre pour revenir là. Et normalement... ça devrait se goupiller correctement. Ah, nos caisses sont revenues. Fais pas le fou. Fais pas le fou, Mario. Yes. Comme ça, on a récupéré tous les blocs de la zone. Maintenant, on peut aller de l'autre côté, apporter le joyau, activer probablement un donjon, peut-être un boss, je sais pas. Probablement un donjon pour le serpentin jaune. Qu'on fera au prochain épisode. Eh ouais. Eh ouais. On s'approche de la fin. Parce que mine de rien, je suis à bientôt 40 minutes. Pour vous un peu moins parce qu'il y a des ellipses, mais... quand même. Quand même. Ok. Et j'avoue, je serais pas mécontent de changer d'ambiance musicale. Hein, parce que ça fait un petit moment que je l'entends, celle-ci. Ça tourne. Laser. Du coup, on va avoir les 4 lasers maintenant. Clac. Ah, et on a le pouvoir de l'esprit de la Terre. Oh mais, allez bien réfléchir. Je flotte, donc je ne risque pas de tomber. C'est la remarque que j'avais fait la première fois que je l'ai vu tomber. Hein. Je lui dis que normalement elle est pas censée tomber parce qu'elle flotte. Alors, bon.
Et voilà, il s'est tourné aussi. Belle déduction. Très très belle déduction. Impressionnante déduction d'ailleurs. On l'aurait pas deviné. On l'aurait pas deviné. Du coup, let's go voir ce qui se passe là-bas. Oh, on dirait le cercle de pouvoir de l'esprit de la Terre. Bien, mais non, je veux pas lire, je m'en fous, Todd. Voilà. Monte pas, c'est dangereux. Allez, pour vous, je la laisse, l'animation. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. C'est une tortue. Ouh. Ouh. Wow. Joli. Très joli. On a le petit point de sauvegarde en plus. J'espère qu'on a un bloc sauvegarde d'ailleurs pas loin. Bonté divine, c'est le temple champi de la légende. Ainsi donc, il reposait sous le sable depuis tout ce temps. Le temple fait son lit, évidemment. Tout est limpide à présent. Maintenant que le temple est réveillé, on va pouvoir remonter à la source du serpentin, non? Regardez, il entre dans la fissure. En effet. Il semble bien que ce serpentin entre dans le temple. Dépêchons-nous de localiser l'entrée. Oh, ça devrait pas être trop compliqué de localiser l'entrée. Hein. Oh. Yes. On peut tout casser. Hein. Bon, j'étais full, mais quand même. L'entrée est ici. Mais attendez. Parce que moi, j'ai vu un petit truc brillant sur le côté. Et il y a peut-être le point de sauvegarde pas loin. Ah, j'ai vu un truc brillant par là. Yeah, il est là. Creuse. Nice. 10 000 ouais, faut pas exagérer. Ah. Donc l'entrée se trouve juste là. On va pouvoir rentrer dedans. Et j'ose espérer qu'à l'intérieur, il y a un point de sauvegarde. On va voir. Et non, il n'y a pas de point de sauvegarde. Il semblerait que ce temple champi abrite le tombeau du roi Champsès, ancien monarque de la dynastie champi. J'ai également découvert qu'il dispose d'un mécanisme de protection qui lui permet de se dissimuler sous terre. Il semblerait donc que ce mécanisme se soit enclenché lorsque le soleil a disparu. Oh, il n'était pas parti se coucher alors? Non, un tombeau royal se doit d'être protégé contre les intrusions. Ce qui signifie que nous allons devoir être prudents. Qui sait combien de pièges effrayants sont tapis dans l'ombre? Effectivement. Mais nous, c'est là-dessus qu'on s'arrête, avec cette petite musique bien sympathique qui pop dans les oreilles. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous donne rendez-vous pour le prochain où on fera justement le temple champi. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.